Ça va. Bonjour, nous voici cette semaine pour un nouveau tour donc de la semaine. Alors, comme on a fait beaucoup de tours, dits close-up ou cocktail et tout ça, on a décidé un petit peu de changer parce qu'on en a quand même certains qu'on aime bien et qui fonctionnent bien, qui sont des tours déjà par rapport à leur grosseur et par rapport à l'effet qui sont dits salon. Je dirais pas scène, hein, c'est quand même plutôt salon, et qu'on a trouvé quand même d'intéressant. Déjà, premièrement, pourquoi? Parce que le tour en lui-même fonctionne très très bien. Alors, ceci s'appelle la corkbox, donc c'est un vieil effet. Après, beaucoup de magiciens l'ont fait de leur propre manière, qui, notamment ça se fait dans la main aussi, duratif, faisait une routine merveilleuse avec ça, qui est le même principe. Mais voilà, là, ce tour-là se fait dans une boîte, donc la corkbox, et ça reste vraiment quelque chose de extrêmement simple à faire, visuel au niveau des gens qui regardent entre guillemets ce tour-là. Pourquoi? Premièrement, déjà, on arrive avec une boîte carrée, cubique, ça fait vraiment entre guillemets magique. C'est plus même une expérience, je dirais, presque comme un casse-tête qu'un effet magique. Enfin, c'est un effet magique, bien évidemment, mais le fait de travailler à l'intérieur de ce cube, comme ça, les mains fermées à l'intérieur, ça fait quelque chose de bizarre au niveau visuel. Donc voilà, donc déjà, ça, c'est très fort. Le fait de travailler avec une corde rouge, une corde blanche, ça va donc bien évidemment renforcer l'effet. Et en plus, entre guillemets, rien n'est, si on peut dire, truqué, mais ce qui fait qu'on peut quasiment, on peut tout donner à examiner, même si bien sûr on va pas donner des choses à examiner en salon, mais on peut. Donc voilà, donc déjà c'était pour dire ça, la corkbox reste un effet qui est vraiment sympathique au niveau visuel, qui plaît beaucoup. C'est pour ça qu'on a décidé de le montrer. Et là, ils ont qu'à regarder la vidéo de Dean Deal. Exactement, le tour marche très bien, tout à fait. Très beau. Et si, au moins ils voient si c'est leur personnage. Exactement. La démonstration, il y en a tellement sur internet. Nous, on a mis celle de Dean Deal avec sa boîte en bois classique. Voilà. Ensuite, pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce qu'on a une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Professional Only, qui va avoir entre guillemets ce design-là à chaque fois. Quand je dis ce design, c'est en fait cette fameuse marqueterie-là. Ça fait vraiment un aspect visuellement qui est très qui est très beau, qui fait luxe en fait, hein. On a vraiment l'impression que c'est un truc qui fait luxe. Le fait que ça soit fait en noir avec ses bords bien coupés, c'est tout fait au numérique, donc c'est extrêmement propre sur ce fameux noir mat. Et le fait d'avoir ce revêtement, je dirais, ça fait mi-marbre, mi-bois, on n'arrive pas trop à... Ça fait joli. Voilà, donc ça fait vraiment très, 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 très joli. Très professionnel, ouais. Voilà, très classe comme aspect visuel. Donc voilà, donc ça déjà, c'est aussi pour vous montrer ça. Il va y avoir quelques trucs qu'on va sortir qui seront sous, entre guillemets, sous ce nom-là, Professional Only, qui auront plus ou moins cette finition. Voilà, c'est pas le design, parce que le design, ça c'est une corkbox, ça sera pas toute la forme d'une corkbox, mais voilà, ça sera cette couleur là qu'on trouve extrêmement jolie. Et là, la plupart des gens qui connaissent la corkbox l'ont en des versions qui sont tout simplement unies, tout rouge ou alors tout brillant ou d'une autre couleur d'ailleurs, parce qu'il en existe d'autres couleurs. Nous, on a préféré taper sur ce truc-là qu'on trouve extrêmement joli et agréable. Alors, donc, si éventuellement ils veulent une couleur bien précise, parce qu'ils ont une couleur bien précise dans leur show, contactez-nous, on peut éventuellement trouver un arrangement pour trouver la bonne couleur qui vous convient. Tout à fait. Mais à la base, on vendra cela. Oui. Cela, vous commandez, ça part le jour même. Exactement. Si vous voulez une couleur bien précise, vous nous appelez et on vous dira les délais. Et ça peut être rapide aussi, si on convient de la bonne couleur. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire en plus Donc, oui, parce qu'à la base, c'est pas pour... pour parler du design de la boîte, mais surtout du tour en lui-même, c'est ce tour là je pourrais dire que c'est une mini routine. C'est quelque chose qui va être, bon, forcément, comme c'est un effet qui utilise des cordes, ça va être tout simplement une routine de cordes, et c'est pas comme juste un tour de cartes qui dure quelques secondes entre guillemets. Si vous faites la routine en entière
Donc avec les cordes, les anneaux. Alors bien sûr, tout est fourni. Je sais qu'il y a des cordbox où les cordes même et les anneaux ne sont pas fournis. C'est très rare maintenant, mais ça arrive. Nous, il y aura les cordes qui sont fournies et également les anneaux métalliques qui sont fournis. Une belle explication bien Et détaillée. une explication en français faite par moi de la routine, bien évidemment, originale et intégrale de la core box. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et ensuite, oui, donc je voulais en revenir sur le tour en lui-même. C'est l'avantage d'un tour comme ça de salon. Ben, c'est que tout simplement, vous allez passer 5-6 minutes à faire votre routine et à expliquer ce que vous allez faire. Donc déjà, c'est bien parce que ça vous fait un tour qui est quand même un petit peu plus long qu'un tour de cartes, entre guillemets, classique. Après, vous allez me dire, ça dépend comment vous le présentez, bien évidemment. Mais voilà, si vous trouvez en plus une histoire à mettre derrière pour pouvoir faire cette boîte avec ces cordes-là, ça peut être vraiment extrêmement joli comme routine. Donc voilà, encore une fois, faites-nous confiance sur ce truc-là. C'est quelque chose qui est très très bluffant au niveau des spectateurs. C'est vraiment vraiment bluffant parce que la plupart des gens pensent que les cordes sont truquées, qu'il y a des aimants quelque part ou des machins comme ça qui font que les cordes se détachent et tout ça, alors que pas du tout. C'est les matériels entre guillemets que vous recevez, c'est-à-dire ça, 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 et bien sûr il y a le trucage. D'ailleurs, qui est dans la boîte et qui se voit pas. Pour les gens qui pourraient dire, mais qu'est-ce qu'on voit dans cette boîte? Tiens, Thierry, tu peux t'approcher. Hop. Je mets les mains dedans, hein, qu'il n'y ait pas de. Voilà, on ne voit absolument rien. Hein. Les gens peuvent toucher la boîte eux-mêmes à l'intérieur. Voilà, on ne sait jamais. Peut-être que les gens pensent qu'il y a des faux trucs, des machins, des cordes cachées dedans, des éléphants ou des fausses trappes. Pas du tout. Il y a un trucage qui va permettre de faire des trucs, mais ça reste complètement invisible. Donc voilà, donc je rappelle le nom de ce tour-là, parce que ça reste très vieux, mais on le sort comme ça que maintenant, ça s'appelle la Cord Box. Regardez la vidéo sur internet, c'est une vieille vidéo faite par Dean Deal et par sa boîte, bien évidemment, parce que c'est lui qui fait ça. Mais la routine reste exactement la même, et d'ailleurs, ce que vous allez voir en vidéo, ce sera exactement ce que je vais vous décrire en explication en français. Voilà, donc encore une fois, je me répète, faites-moi confiance sur cet effet-là. Si vous cherchez quelque chose en salon d'un petit peu différent, vous pouvez partir sur des effets comme ça parce que ça fonctionne très bien. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre effet.